La ville de Visé est réputée pour être dynamique, sportive et commerçante. Ce dernier point constitue de longue date l'un des axes majeurs de l'économie locale, d'autant que l'offre est extrêmement diversifiée. C'est vraiment une institution ici à Visé. On a la chance de compter quasiment 200 commerces indépendants avec toujours des gens derrière et ça on insiste. Ça inclut un service, un accueil et surtout une diversité. On a beaucoup ici à Visé de boutiques spécialisées, donc des choses que les personnes ne vont pas retrouver dans des centres comme la grande distribution ou ces grandes galeries commerçantes qui sont autour de la ville. De fait, l'un des avantages de Visé est de proposer des commerces relativement concentrés. Mais l'une des forces du Visé est sans doute aussi de disposer d'une puissante association de commerçants. Créée au milieu du siècle passé, celle-ci est l'une des plus anciennes du genre. Ensemble, ces acteurs sont plus forts pour organiser des choses et dynamiser le commerce dans la capitale de la Basse-Meuse. On peut être commerçant visétois sans être membre de l'association. On compte à peu près la moitié des commerçants membres de l'association. Ça a des avantages quand il y a des manifestations payantes où les membres de l'association, eux, ont toujours des ristournes et des réductions de prix. Pour le client, cela se traduit concrètement par des événements échelonnés sur l'année ainsi que par des promotions organisées par les commerçants eux-mêmes via la page qui leur est dédiée sur le site du commerce visétois. Chaque commerçant a sa page qu'il est capable d'actualiser lui-même et de mettre des promotions ou des choses qu'il intéresse à faire savoir à sa clientèle. On organise plusieurs manifestations par an. En général, il y a une manifestation par saison, printemps, été pour la braderie, l'automne et l'hiver, appuyé sur les fêtes de fin d'année. On le constate, dynamisme et commerce ne sont pas des vains mots à viser, mais un autre avantage de taille s'ajoute à cela. Au contraire des autres villes voisines, le parking y est gratuit.